Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia espectro na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, 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 perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que é, parece uma coisa lis no peito, em latim. Donc bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureuses de vous retrouver ce soir pour un hommage à l'immense écrivaine brésilienne Clarice Lispector, dont nous fêtons en ce 10 décembre 2020 le centenaire de la naissance. Et nous en sommes très heureuses. C'est une écrivaine avec laquelle la maison d'édition des femmes a une histoire au long cours, puisque c'est une histoire de plus de 40 ans, faite de rencontres et de, j'irais, de transmission et de solidarité entre femmes et une histoire aussi d'affinité élective puisque toute sa recherche fait écho à la vocation des éditions des femmes et à ce qu'Antoinette Fouque a souhaité en faire comme lieu d'écriture et qui également fait écho à son travail personnel de pensée sur la gestation. Clarice Lispector, c'est une rencontre qui date de 1974. À l'époque, Antoinette Fouque venait de créer les éditions des femmes en 73 et les quatre premiers livres paraissaient au printemps 74. En même temps, elle ouvrait la première librairie des femmes au 68 rue des Saints-Pères. Et à cette soirée d'inauguration, il y avait évidemment beaucoup de monde, beaucoup de femmes, et notamment Ruth Escobar, qui est une femme de théâtre brésilienne, qui était en séjour à Paris. Le Brésil était sous dictature militaire à l'époque, et il y avait beaucoup de Brésiliennes et de Brésiliens qui faisaient des allers-retours entre le Brésil et l'Europe, la France en particulier. Donc, à l'occasion de cette inauguration, elle est venue, elle a fait rencontrer Antoinette Fouque, et elle a évoqué l'idée de publier aux éditions des femmes de grandes écrivaines brésiliennes. Elle lui a parlé à ce moment-là de Clarice Lispector, également de l'écrivaine Nelly Dapignone, que nous avons aussi publié un peu plus tard. Et puis surtout, elle lui a expliqué qu'aurait lieu en juillet la première foire du livre de São Paulo au Brésil. Antoinette Fouque, à ce moment-là, a décidé d'y aller. Et quand elle est rentrée en France, elle s'est dit que ça serait intéressant de publier un livre collectif, enfin en interviewant des femmes, des Brésiliennes vivantes au Brésil, des femmes de différentes conditions, avec des parcours très différents les uns des autres. Et qui toutes avaient quelque chose à dire ou étaient en résistance par rapport au régime politique de l'époque. Ce travail a donné lieu au livre Brasileiras, dans lequel, qui est publié en 77, et dans lequel on trouve la dernière interview, pardon, de Clarice Lispector, donnée de son vivant, puisqu'elle est décédée le 9 décembre 77, la veille de son anniversaire, de son 57e anniversaire. Et alors que, quelques mois plus tôt, elle était à Paris, sachant que son livre La Passion selon G.H., puisqu'entre-temps Antoinette Fouque avait décidé de publier toute son œuvre, allait être publié en langue française. Et donc un rendez-vous avait été pris à la librairie des femmes avec elle, mais malheureusement elle a dû repartir au Brésil parce qu'elle était très malade et voilà, elle est décédée quelques temps plus tard. C'est toujours un peu difficile de parler de Clarice Lispector. Son œuvre est si dense, si complexe. Mais pour schématiser la réception de son œuvre au Brésil, on peut peut-être parler de trois étapes. Donc, une étape dite d'avant-guerre, quand Clarice, à 23 ans, publie Près du cœur sauvage. Donc, l'œuvre est reçue au Brésil d'une manière un peu conflictuelle, c'est-à-dire qu'une partie de la critique est dithyrambique. On dit même que Près du cœur sauvage change l'axe de l'orbite autour de laquelle la littérature brésilienne tournait. Et un autre critique qui dit qu'aucune femme n'avait jamais écrit comme Clarice, aucune femme n'avait écrit en portugais comme Clarice Lispector auparavant. Mais ce n'est que dans la période de
qu'on peut appeler de post-guerre, en 1960-61 plus précisément, quand Clarice Lispector rentre au Brésil et qu'elle lance Amasa no Escuro, La Pomme dans le Noir, et là le livre est un véritable pavé dans la Marne. C'est-à-dire que Clarice invente un langage et qu'elle parle des thèmes jamais parlés auparavant. Et la manière de Clarice de parler de ces thèmes comme de la femme au centre, par exemple, de son écriture et la subjectivité de la femme est tout à fait nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une écriture descriptive, ce n'est pas une écriture qui va vers l'extérieur, mais plutôt qui plonge dans l'intérieur de l'écrivain et qui nous donne accès quelque part à l'arrière de sa pensée et je dirais même à l'origine de sa pensée. Et plus, on a accès à ces bouillonnements de pensée comme si l'écriture de Clarice, à un moment donné, faisait passoire, et qu'on pouvait justement avoir accès au croisement des différentes pensées, des différentes synapses. Et plus, non seulement vers l'intériorité de l'auteur, l'origine de sa pensée, comme créatrice, comme écrivaine, mais l'origine de notre propre pensée. Donc nous allons, par la lecture de Clarice, grâce à la lecture de Clarice, vers des endroits que nous n'avons pas visités auparavant. Bon, ça, c'est un peu bateau, c'est un peu le propre de la littérature, mais chez Clarice, ça fonctionne comme une explosion. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un chemin, ce sont des chemins qui se croisent et qui font sens. Hier matin, j'ai quitté le salon pour aller dans la chambre de la bonne. Rien ne me laissait supposer que j'étais à deux doigts de découvrir un empire, à deux doigts de moi-même. Qu'est-ce que j'étais ce matin-là, avant d'entrer dans la chambre ? J'étais ce que les autres m'avaient toujours vu être. Et c'est ainsi que je me connaissais. Je ne sais pas dire ce que j'étais, mais je veux au moins me souvenir. Qu'étais-je en train de faire? Je m'attardais à table, après le petit déjeuner, en faisant des boulettes de pain. Est-ce cela? Il faut que je sache ce que j'étais. J'étais ceci. Je faisais distraitement des boulettes bien rondes avec la mie de mon pain. Ma dernière et paisible liaison amoureuse venait de prendre fin de façon amicale et j'avais retrouvé le goût, légèrement insipide et heureux, de la liberté. Est-ce une description? Je suis aimable, capable d'amitié sincère, et la conscience que j'en ai me fait éprouver envers moi-même une amitié profonde qui n'exclut jamais une certaine dose d'ironie sans méchanceté. Mais comment était mon silence auparavant? C'est ce que je ne sais pas. Ce que je n'ai jamais su. Parfois, lorsque je regardais une de mes photos prises sur la plage ou à l'occasion d'une fête, je devinais avec une légère appréhension moqueuse ce que ce visage souriant et obscurci me dévoilait. Un silence. Un silence et un destin qui m'échappaient. Moi-même. Fragment hiéroglyphique d'un empire mort ou vivant. Passion selon GH, donc c'est un livre qui a fait connaître Clarice Lispector vraiment au-delà du Brésil. Et elle avait déjà publié plusieurs livres avant. Mais c'est le premier livre qu'elle a publié après son divorce et après son retour au Brésil en 59. Son premier livre, Près du cœur sauvage, nous l'avons également publié, puisqu'on a publié presque toute son œuvre, sauf Le bâtisseur de ruines, qui est publié chez Gallimard et qui a été publié par l'édition Gallimard en 70 et qui son premier qui s'appelle Près du cœur sauvage qui est un hommage à James Joyce et qu'elle a écrit à l'âge de 23 ans mais que nous avons publié après la Passion selon GH et après un autre livre qui s'appelle Agua Viva en édition bilingue parce que ces deux livres, La Passion selon GH et Agua Viva, sont des livres qui sont dans le très engagé, je dirais, dans une recherche personnelle de Clarice Lispector, qui est une recherche d'une vérité intérieure, d'un retour vers l'origine à travers les mots, qui est vraiment très très emblématique dans ces deux textes. Dans un même paragraphe, par exemple, il lui arrive de sauter de la langue vulgaire quotidienne à la langue abstraite, rigide, conceptuelle. Puis à la langue poétique, lyrique, symbolique, pour finir par le genus grande, c'est-à-dire le genre sublime métaphysique. Le projet de Clarice peut changer du tout au tout. Par exemple,
La passion selon G.H. On va en parler tout à l'heure, relate une expérience très particulière dans une écriture extrêmement rigoureuse, chirurgicale, en pleine convenance avec son propos. Au contraire, Agua Vive, l'avant-dernier texte de Clarisse, évoque une exploration aux limites de la rationalité dans une langue adaptée à ce voyage de découverte. En sorte que les règles de précision que le traducteur se sera donné pour traduire la passion selon GH se trouveront invalidées pour faire passer en français la rhétorique lyrique et abstraite d'Agua Viva. Estou cansada. Meu cansaço vem muito porque sou uma pessoa extremamente ocupada. Tomo conta do mundo. Todos os dias olho pelo terraço para o pedaço de praia com mar e vejo as espessas espumas mais brancas e que durante a noite as águas avançaram inquietas. Vejo isto pela marca que as ondas deixam na areia. Olho as amendoeiras de rua onde moro. Antes de dormir, tomo conta do mundo e vejo se o céu da noite está estrelado e azul marinho, porque em certas noites, em vez de negro, o céu parece azul marinho intenso, cor que já pintei em vitral. Gosto de intensidades. Tomo conta do menino que tem 9 anos de idade e que está vestido de trapos e magérrimo. Terá tuberculose, se já não a tem. No jardim botânico, então, fico exaurida. Tenho que tomar conta com o olhar de milhares de plantas e árvores e, sobretudo, da Vitória Régia. Ela está lá e eu a olho. Repare que não menciono minhas impressões emotivas. Lucidamente falo de algumas das milhares de coisas e pessoas das quais tomo conta. Também não se trata de emprego, pois dinheiro não ganho por isto. Fico apenas sabendo como é o mundo. Se tomar conta do mundo dá muito trabalho. Sim. Por exemplo, obriga-me a me lembrar do rosto inexpressivo e por isso assustador da mulher que vi na rua. Com os olhos tomo conta da miséria dos que vivem em costa acima. Você há de me perguntar por que tomo conta do mundo. É que nasci incumbida. Je suis fatiguée. Ma fatigue tient beaucoup à ce que je suis une personne extrêmement occupée. Je prends soin du monde. Tous les jours, je regarde depuis mon balcon vers le bout de plage et de mer et je vois les écumes épaisses blanchies et je vois que pendant la nuit, les eaux ont avancé, inquiètes. Je le vois grâce aux traces que la marée a laissées sur le sable. Je regarde les badaniers de la rue où j'habite. Avant de me coucher, je prends soin du monde et je vois si le ciel de la nuit est étoilé, bleu marine, parce que certaines nuits, le ciel n'est pas noir, mais semble être fait d'un bleu marine intense, une couleur que j'ai déjà employée pour des vitraux. J'aime les intensités. Je prends soin du petit garçon âgé de 9 ans, vêtu de haillons et qui a la peau sur les os. Aura-t-il la tuberculose, à moins qu'il ne l'ait déjà? Alors, au jardin botanique, je me retrouve exténuée. De mon seul regard, je dois prendre soin de milliers de plantes et d'arbres et surtout de la fleur de nénuphar géant. Elle est là et je la regarde. Remarque bien que je ne fais pas mention de mes impressions émotives. Je parle de façon lucide de quelques-unes des milliers de choses et de personnes dont je prends soin. Il ne s'agit pas non plus d'un emploi, car je ne me fais pas payer pour cela. Simplement, je prends connaissance du monde tel qu'il est. Prendre soin du monde, cela donne beaucoup de travail, oui. Par exemple, cela m'oblige à me souvenir du visage inexpressif et en cela effrayant de la femme que j'ai vue dans la rue. De mes yeux, je prends soin de la misère, de ceux qui vivent sur les hauteurs. Tu me demanderas sûrement pourquoi je prends soin du monde. C'est que je suis née avec cette mission. Thank you.
Alors, il faut savoir que Clarice Lispector a une histoire personnelle très singulière. Elle est née en Ukraine en 1920. Donc, sa famille a été victime d'antisémitisme et des pogroms qui avaient lieu à l'époque au moment de la guerre civile russe. Et sa famille a donc fui l'Ukraine pour le Brésil. Et en fait, elle est née pendant ce voyage entre l'Ukraine et le Brésil. On sait aujourd'hui, à partir des recherches et des témoignages de sa sœur, de la biographie de Benjamin Moser et d'autres recherches, que sa mère, qu'elle a toujours connue malade de syphilis, aurait été violée pendant un pogrom, et que c'est là qu'elle aurait attrapé cette maladie, qui aurait été très mal soignée parce que à ce moment-là, les Juifs d'Europe de l'Est ne pouvaient plus. C'était juste avant la Première Guerre mondiale et émigrer était beaucoup plus compliqué. Et donc, sa mère n'a pas été soignée, est arrivée au Brésil malade et n'en s'est jamais remise. Et Clarice Lispector a perdu sa mère quand elle avait 9 ans, mais toute son enfance a cherché à sauver sa mère. Et même sa naissance serait liée d'ailleurs, puisque dans la tradition de ces familles, on disait que la naissance d'un enfant pouvait réparer un viol, en fait. Et son prénom d'origine, qui est le prénom Chaya, qui veut dire vie en hébreu, serait d'ailleurs le signe de ce destin qu'elle n'a pas pu assumer puisqu'elle n'a pas réussi à sauver sa mère. Elle était enfant, elle n'aurait pas pu, mais enfin, en tout cas, elle s'est sentie investie de cette mission. Et c'est comme ça qu'elle est venue à l'écriture et au conte, en fait, puisqu'elle racontait, elle inventait des histoires magiques pour essayer qu'elle racontait à sa mère pour tenter de la sauver, d'où sa venue à l'écriture, on pourrait dire ça, qui s'enracine là. Et qui explique aussi tout ce travail, toute cette recherche vers cette écriture, un retour vers le matriciel qu'elle a perdu en fait, et dont elle et qui fait évidemment écho aux recherches d'Antoinette Fouque sur la question de la gestation, du rapport entre gestation et libération pour les femmes. Silence. Il est si vaste le silence de la nuit dans la montagne. Il est si dépeuplé. On essaie en vain de travailler pour ne pas l'entendre, de penser à la hâte pour le masquer, ou de s'inventer un programme, maillon fragile, qui nous relie difficilement au lendemain, subitement improbable. Comment passer outre cette paix qui nous épie ? Silence si grand que le désespoir se revêt de pudeur. Montagne si haute que le désespoir s'enveloppe de pudeur. L'ouïe s'aiguise, la tête s'incline, le corps tout entier écoute. Pas une rumeur, pas un coq. Comment entrer dans cette profonde méditation du silence ? De ce silence sans mémoire de mots. Si tu es la mort, comment t'atteindre ? C'est un silence qui ne dort pas, il est insomniaque, immobile, mais insomniaque, et sans fantôme. C'est terrible, sans aucun fantôme. Inutile de vouloir le peupler de la possibilité d'une porte qui s'ouvrirait en grinçant, d'un rideau qui s'écarterait et prononcerait quelques paroles. Il est vide et sans promesse. Si au moins il y avait du vent. Le vent est colère, la colère est la vie. Ou de la neige, qui est muette mais qui laisse des traces. Tout se couvre de blanc, les enfants rient, les pas crissent et marquent. Il y a une continuité qui est la vie. Mais ce silence ne laisse pas d'empreinte. On ne peut parler du silence comme on parle de la neige. On ne peut dire à personne, comme on dirait de la neige, « Vous avez senti le silence de cette nuit ?» Celui qui l'a entendu n'en parle pas. La nuit descend avec ses petites joies. Par exemple, allumer les lampes, avec cette fatigue qui justifie bien la journée.
Les enfants de Berne s'endorment, les dernières portes se ferment, les rues brillent de tous leurs pavés, elles brillent, vides déjà. Et enfin s'éteignent les lumières les plus lointaines. Nous sommes la seule maison d'édition à avoir publié tous ces livres, sauf Le bâtisseur de ruines. Mais ce travail sur 45 ans quasiment, on est la seule maison d'édition à l'avoir fait au monde. Après, il y a eu quelques textes publiés en Italie, en Espagne, enfin bon, et maintenant beaucoup aux États-Unis, parce qu'elle est d'une modernité incroyable. Et quand on voit ce qu'elle écrit à l'époque où elle écrivait, on se rend compte qu'elle était complètement dans une démarche complètement d'avant-garde, en fait. À partir de la parution, traduction et parution de diverses œuvres de Clarisse Lispector en France dans les années 70 par les éditions de Femmes Antoinette Fouque. Et là, indubitablement, Clarisse atteint un large public. Elle est lue, elle est étudiée, elle est lue par des jeunes générations, elle est travaillée à l'école, dans les universités, elle est critiquée. Pour ce qui concerne la France, elle a d'abord été lue plutôt dans des milieux universitaires, notamment du côté de ce qu'on appelait à l'époque l'écriture dite féminine, et notamment dans les séminaires d'Hélène Cixous à Paris 8, qui a créé donc le Centre d'études féminines et de genre. Et puis par d'autres, il y a également Michel Riodel en littérature comparée. Enfin voilà, elle était un peu dans des cercles universitaires, elle étudiait dans des cercles connus dans le milieu universitaire, travaillait, lu, et elle avait la réputation d'être assez difficile à lire, un peu hermétique, je pense à cause de ce texte « La passion selon G.H. » qui l'a à la fois rendue célèbre et en même temps, bon, on l'a comparé à Kafka parce qu'il y a l'histoire d'un cafard, enfin d'une blatte, mais en réalité, elle n'est pas du tout hermétique. Je veux dire, à part ce texte et peut-être quelques autres travaux de recherche, enfin de textes plus expérimentaux ou plus poétiques, c'est quand même quelqu'un, au contraire, qui, notamment dans ses nouvelles et même dans ses romans, est tout à fait... raconte la vie, quoi, on peut dire ça comme ça. Et elle a un style singulier, c'est-à-dire qu'elle... Parfois, elle ne termine pas des phrases, elle peut laisser des mots en suspens, faire des ellipses, etc. Donc, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été très facile à traduire. Et puis, il y a des époques. Je veux dire, une traduction, c'est vrai qu'on traduit un texte. La Passion selon G.H. a été traduit en 75. Enfin, il est paru en 78. Il a dû être la traduction a dû se faire en 76, 77. Bon, 40 ans après, on n'aborde pas le texte de la même manière. C'est la raison pour laquelle aussi... On a repris notamment les traductions antérieures à 1985, parce qu'en 85, il y a Jacques et Teresa Thiriot qui ont assuré les traductions de tous les livres qui sont parus à partir de cette année-là. Je crois que le premier, justement, c'est L'heure de l'étoile, et qui ont fait un très, très beau travail de traduction. Mais les textes que nous avons publiés avant ont fait l'objet de différentes traductions par différentes personnes, disons, et que, voilà, et donc on... Ce travail maintenant a été confié à Didier Lamaison, qui a travaillé avec Claudia Pontioni pour certains livres, notamment Agua Viva, et puis avec Épris du cœur sauvage, et avec Paulina Wattmann, qui sont toutes les deux des Brésiliennes, pour le dernier, La passion selon G.H. Dès 1944, Clarisse Lispector accompagne son mari diplomate dans ses différentes affectations et vit ainsi 15 ans loin du Brésil. C'est à Berne qu'elle semble éprouver le plus douloureusement la mélancolie, le sentiment de l'exil, voire de l'étrangeté à elle-même et au monde dont son œuvre est imprégnée. Elle s'adonne à une longue correspondance avec ses sœurs, Tania et Elisa, écrit « La ville assiégée » et des contes et chroniques. Elle juge avec une extrême sévérité son travail d'écriture, loin de l'enthousiasme qu'elle exprimait dans une lettre à Tania, écrite en janvier 1942, alors qu'elle était encore au Brésil. Elle disait « Je vis en attente d'inspiration.
avec une avidité qui ne me donne pas de relâche. J'en suis même arrivée à la conclusion qu'écrire est la chose que je désire le plus au monde, plus même que l'amour. Alors, Clarice Lispector, c'est aussi, c'est ça qui est assez extraordinaire chez elle, c'est une écriture à la fois extrêmement singulière et complètement universelle, parce que finalement, tout le monde peut entendre quelque chose de ce qu'elle écrit, de ce qu'elle raconte. Et dans cette espèce de recherche, de retour vers soi, un soi très... qui ne fait pas semblant, un retour vraiment vers la racine, et tout en ayant une attention au monde assez extraordinaire, c'est-à-dire que elle est pas, c'est pas un retour vers soi narcissique au sens où on n'est préoccupé que par son état intérieur, etc. Pas du tout. C'est tout ça est en rapport avec le monde et avec le monde. J'irai dans une cosmologie très, très vaste, puisque pour elle, qu'il s'agisse des animaux qui sont très, très présents dans ses textes, ou même d'objets, ou des plantes, etc., sont des êtres vivants au même titre que les humains. Et c'est ça qui est assez bouleversant dans son écriture. C'est cette double démarche à la fois complètement intérieure et en même temps complètement projetée sur le monde. Et d'ailleurs, elle a écrit des chroniques qui sont parues sous le titre « La découverte du monde ». Elle était d'ailleurs aussi journaliste et elle rendait compte dans ses chroniques du monde, de ce qui l'entourait. Je pense qu'il est important de penser, enfin, de voir l'œuvre de Clarisse pour adultes, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Clarisse pour la jeunesse, qui est aussi pour les adultes, aussi pour les enfants. Je perçois dans l'écriture de ces deux œuvres des instances différentes, c'est-à-dire que dans l'œuvre pour adultes, on a l'impression que Clarisse, comme je viens de dire, plonge dans le plus intime d'elle-même, comme si elle allait chercher le plus intime d'elle-même, les dévoiler et créer, et à partir de la créer. Alors que dans l'œuvre pour la jeunesse, Clarisse écrit pour l'autre. Elle sort de cette origine, justement, et elle écrit pour l'enfant. C'est comme si elle voulait quelque part sauver ses enfants, ou du moins les rassurer, savoir qu'ils peuvent avoir auprès d'eux un adulte qui crée à partir du quotidien, à partir de la poésie du quotidien, sans que cela soit mensonger, comme si elle voulait montrer, dire aux enfants que la poésie du quotidien, elle est accessible à tout le monde et que nous pouvons déchirer le voile gris des choses les plus banales et trouver derrière de la plus pure poésie. Préciosité. Très tôt le matin, c'était toujours la même chose renouvelée. Se réveiller. C'était languissant, déplié, immense. Immensément, elle ouvrait les yeux. Elle avait 15 ans et n'était pas jolie. Mais au-dedans de la maigreur, l'immensité presque majestueuse où elle se mouvait comme au-dedans d'une méditation. Et dans la nébulosité, quelque chose de précieux, qui ne s'étirait pas, ne se compromettait pas, ne se contaminait pas, qui était intense comme un joyau, elle. Elle se réveillait avant tout le monde, car, pour aller au collège, elle devait prendre un bus, puis un tram. Total, ça lui faisait une heure de voyage. Une heure à elle. De rêverie aiguë comme un crime. Le vent du petit matin, qui violente la fenêtre et le visage, jusqu'à ce que les lèvres soient dures, glacées. Alors elle souriait. Comme si sourire était en soi un but. Tout cela arriverait, si elle avait la chance que personne ne la regarde.
Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2020, donc 2 jours et 33 ans après la mort de Clarice Lispector. Elle nous a quittés le 8 décembre 1977, à Rio. Et donc, je vais me permettre de lire un poème que le poète brésilien, le grand poète brésilien Ferreira Goulart, a écrit pour Clarice, au moment même où il se dirigeait vers le cimetière pour l'enterrement de Lispector. Je vais lire en portugais et après en français. Enquanto te enterravam no cemitério judeu do Caju, e o clarão do teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo a bordo da lagoa, na direção de Botafogo. As pedras e as nuvens, as árvores no vento, mostravam alegremente que não dependem de nós. E en français. Alors que l'on t'enterrait au cimetière juif de Cajou et la nitescence de ton regard enseveli résistait encore, le taxi roulait avec moi à son bord sous les marges de la lagune, vers Botafogo. Les pierres et les nuages, les arbres dont le vent montrait allègrement qu'elles ne dépendent pas de nous. Joyeux anniversaire, Clarice Lispector. Elle avait le hockey. Et comme si la clarté de 2 heures de l'après-midi ne suffisait pas, elle était rousse. Dans la rue vide, les pierres vibraient de chaleur. La tête de la petite fille flamboyait. Assise sur les marches du perron, elle endurait. Personne dans la rue, à part quelqu'un qui attendait inutilement à l'arrêt du tram. Et comme si son regard soumis et patient ne suffisait pas, le hockey l'interrompait de temps à autre, lui secouant le menton qui s'appuyait résigné sur sa main. Que faire d'une petite fille rousse avec le hockey? Nous nous sommes regardés sans mot dire, détresse contre détresse. Dans la rue déserte, pas l'ombre d'un tram. Dans un pays de brun, être rousse était une révolte involontaire. Qu'importait si un jour sa marque allait la faire dresser insolemment une tête de femme? Pour l'instant, elle était assise sur une marche scintillante du perron, à 2 heures de l'après-midi. Ce qui la sauvait, c'était un vieux sac de dame, à la courroie cassée. Elle le tenait avec un amour conjugal déjà accoutumé, le serrant contre ses genoux. Alors s'approcha son autre moitié en ce monde, un frère du faubourg de Grajaou. La possibilité de communiquer surgit à l'angle brûlant du coin de la rue, accompagnant une dame et incarnée dans la figure d'un chien. C'était un basset, beau et misérable, doux sous le fait de sa fatalité. C'était un basset roux. Il arrivait en trottinant devant sa maîtresse, traînant son étirement, insouciant, accoutumé, chien. La fillette ouvrit des yeux ébahis. Agréablement prévenue, le chien stoppa devant elle. Sa langue vibrait. Tous deux se regardaient. Alors, par rapport au centenaire, il y a plusieurs choses. D'une part, on a publié un coffret que on va vous montrer, qui est un coffret qui regroupe alors La Passion selon Gérard dans une nouvelle traduction de Didier Lamaison et Paulina Rothman, et puis L'heure de l'étoile. Ce sont deux textes emblématiques. Hein. La Passion selon Gérard, j'en ai déjà parlé. L'heure de l'étoile, c'est le dernier texte paru du vivant de Clarice Lispector. Et là, c'est dans l'édition, cette édition comporte également une postface du fils de Clarice Lispector qui s'appelle Paulo Gurgel Valente, qui vit à Rio de Janeiro avec lequel nous sommes très en rapport et qui souligne le caractère social de ce texte parce que c'est vrai que Clarice Lispector est très vénérée au Brésil. Maintenant, il y a une statue qui lui rend hommage à Rio. Il y a, un timbre à son effigie, etc. Mais on pouvait penser comme ça, parce que c'est une femme très belle, mariée avec un diplomate, etc., qu'elle était... une grande bourgeoise, par exemple. Or, elle a eu une enfance extrêmement pauvre et elle a toujours gardé
cette enfance, enfin, elle, son écriture est très imprégnée de l'enfance, et elle a toujours eu quand même cette attention aux autres, et notamment aux pauvres. Et dans L'heure de l'étoile, l'héroïne, enfin, c'est pas l'héroïne, parce que c'est un homme qui raconte, il y a un narrateur, mais qui parle d'une jeune femme qui est du Nord-Est, quand même, puisqu'elle est arrivée à Recife, au Brésil, dans le Nord-Est, qui est une des régions les plus pauvres du Brésil, et qui est une pauvre fille, mais qui est pleine de dignité, enfin, voilà. Mais il est vraiment question, quand même, de cette question de rapport de classe. Ainsi, je l'ai déjà laissé entendre, j'ai l'intention d'aller vers la simplicité. D'ailleurs, trop pauvres et trop modestes sont les matériaux dont je dispose. Trop rares et trop confuses, les informations touchant mes personnages. Informations ne me venant qu'à grand-peine, tandis que je les charpente. Assurément, gardons-nous cependant d'oublier que pour écrire quoi que ce soit, mon matériau premier, c'est la langue. Aussi cette histoire sera-t-elle faite de mots, assemblés en phrases, dont se dégagera un sens secret, transcendant mots et phrases. Évidemment, comme tout écrivain, je suis tenté d'utiliser des termes savoureux. Je connais des adjectifs somptueux, des substantifs charnus et des verbes si acérés qu'ils fendent l'air en filant vers l'action. Or, la parole est action, vous en conviendrez. Mais je ne vais pas enjoliver les mots, car si je touche au pain de la jeune fille, ce pain se changera en or. Et la jeune personne, qui a 19 ans, la jeune personne ne pourra plus y mordre, et donc mourra de faim. Il me faut donc en parler simplement, afin d'en capter l'existence dans sa fragilité et sa vacuité même. Je me contenterai humblement, mais sans faire étalage de mon humilité, car alors ce n'en serait plus, je me contenterai de raconter les aventures quelconques d'une jeune fille dans une ville tout entière faite contre elle. Elle, qui n'aurait jamais dû quitter son sertão d'Alagoas dans sa méchante robe de toile, et sans la moindre notion de dactylographie. À peine savait-elle écrire, n'ayant point terminé ses études primaires. Quand elle tapait à la machine, son ignorance l'obligeait à frapper laborieusement, touche après touche. C'est sa tante qui lui avait appris les rudiments de la dactylographie. Alors la jeune fille avait trouvé une dignité. Elle était enfin dactylo. Ce qui ne l'empêchait pas apparemment de désapprouver que deux consonnes puissent se suivre et, en transcrivant la belle écriture ronde de son chef de bureau bien-aimé, d'écrire le mot « désigné »,« désigné », comme ça se prononce. Pardonnez-moi, mais je vais continuer à parler de moi, qui suis mon propre mystère. Et tout en écrivant, je ne suis pas peu surpris de découvrir que j'ai un destin. Qui ne s'est jamais demandé d'aventure, suis-je un monstre ou bien ce qu'on appelle une personne? Je veux tout d'abord vous assurer que cette jeune fille ne sait rien d'elle-même, sinon à l'occasion de ce qui peut bien lui arriver, ça ou là. Si elle avait la sottise de se demander « qui suis-je ?», elle risquerait d'en tomber raide. « Qui suis-je ?» Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia espectro na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lisa no peito, em latim. Thank you.